J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la famille. Et ça fait longtemps, je crois que ça fait un an qu'on n'a pas fait des vidéos comme ça. Aujourd'hui, on va faire quoi? Tout simplement, aujourd'hui, on va faire un concept qui a déjà été fait sur la chaîne. Mais pas comme vous le pensez. Bref, vous avez vu au titre, on va faire un qui de nous trois aujourd'hui. Et la troisième personne. On peut pas que être tous les deux. Voilà, la troisième personne, c'est le petit Piccolo. Qui est... je suis en train de jouer avec lui là d'ailleurs. Vous pouvez pas le voir, mais bon. Bref. Donc j'espère que ce concept vous plaira parce que vous avez été nombreux à nous demander des challenges, des défis, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à liker un maximum la famille, je compte sur vous. Vous nous explosez ce compteur de likes. En plus en ce moment il y a des bugs de notification donc n'hésitez pas vraiment à partager la vidéo. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo en masse la famille, je compte sur vous. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux la famille, Instagram, Twitter, Snapchat. Ah oui, Facebook non pas tellement. Voilà, et n'hésitez pas à suivre la petite Baba sur sa chaîne également la famille. Voilà, donc on se retrouve, on est en vacances, on est chill, on est calme et puis bah il fait chaud. Voilà, il fait très chaud. Chante, c'est super. Mais bon, au moins il y a de l'air, tu vois, parce qu'on est à côté de la mer. C'est vrai. Ah, Picolet. Il est là. Bon, Baba, je te laisse répondre à sa place parce que bon, vous doutez bien que le chien il va pas parler, tu vois. Je crois et imagine, il se m'a parlé. Ça s'est déjà fait ou pas qui de nous trois avec un chien? Non, je crois pas. Non, OK, on est les seuls à faire ça. Bref, c'est pas grave. Aïe. Il m'a mordu le bras. C'est pas grave. Des quelques trucs. Qui de nous trois est le plus intelligent? Déjà, c'est pas moi. Déjà, c'est pas moi. Moi, je pense que c'est lui. Non, mais il a 3 mois, mais skin, là. Ouais, mais il est intelligent quand même. Il sait. Non, moi, je dirais que c'est Piccolo. C'est vrai? Ouais. Bon, ok. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Après, dans l'ordre, ça va toi et moi, quoi. C'est une dingue. Bref, qui. Alors, deuxième, qui est le plus fou? C'est très clairement lui. Ça, moi, j'hésite entre Roro et lui. Non, ça c'est sûr, c'est lui. Je suis pas sûr. Parce que tu sais, des fois le soir, non, il est pas fou. Oh, la journée, il y a des mois, pendant un quart d'heure, genre, pendant un quart d'heure, il est fou, il est complètement dingue. Il fait mal ce con. Qui est le plus curieux? C'est lui aussi. C'est tout lui quoi. Avant c'était genre entre nous, tu vois, maintenant c'est tout lui qui a la palme d'or, tu vois. Qui est le plus gentil? C'est toi. C'est moi. Je crois, hein. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est moi. Si, c'est elle qui s'occupe de Piccolo. Non, mais c'est même pas une question de ça. C'est pipi. C'est une question, lui, il est pas gentil. Regarde là, il est mort. Et puis toi. Si, toi, t'es gentil en vrai. Mais je pense que c'est moi. Allez, on vote pour toi. Qui. Attends, attention. Là c'est la question, ça, les gars. Qui est le plus sportif? Alors, ça, c'est lui, ça, c'est sûr. Bah, avant, tu m'aurais dit c'était lui. Mais là, aujourd'hui, c'est Piccolo. Trop sportif, mais. Un peu trop. Par rapport à nous, les gars, on n'arrive même pas à suivre. Ouais, en fait. Vous savez, je coupe un petit peu, mais il y a genre 2 jours, je crois hier ou avant-hier, je regardais sur internet, je me suis intéressé, on va dire, à la race Jack Russell. Ouais. Et sur internet, il y avait beaucoup de choses de marquées. Je sais pas si c'était des conneries, mais en tout cas, ça le ressemble beaucoup. C'est la race de chien, on va dire, la plus excitée. La plus têtue, mais ouais. La plus sportive. La voilà. Plus athlétique. La plus athlétique. Je sais pas si vous voyez, mais la forme de son corps, de ses muscles, tout de ça. De son gabarit. Et ben ça lui permet d'être très rapide, d'être très vif, tout ça. Et il a une force, c'est ouf. Et j'ai regardé par rapport aux gros chiens, tu vois, par rapport à ce qu'on pourrait croire, les boxeurs, les rottweilers, des trucs comme ça, et ben c'est beaucoup plus calme. Ouais, même les pitbulls, c'est plus calme, c'est beaucoup plus calme que ce genre de chien. Attends, les gros chiens sont forcément genre, plus calmes. Ce genre de chien, là qu'on a, c'est les chiens les plus... Tu vois ce que je veux dire, les plus donc speed. En termes de tranquillité, c'est pas trop ça quoi. Vous ne prenez pas un Jack Russell si vous voulez. Apparemment, c'est un des chiens les plus difficiles à éduquer. Ouais, c'est le plus difficile. Ah mon Parce que même un chihuahua, c'est moins têtu que ça. Hein. Ah. Bref, le plus gourmand, bah, c'est lui encore. Et lui ou toi? Lui ou toi? Lui ou moi? Lui ou toi? Ouais, je voulais choisir dans les commentaires. Parce que les gars, à chaque fois qu'il y a de la bouffe. Mais quand je vous dis à chaque fois, c'est genre, je prends, je sais pas, on va prendre une barquette de frites, ou genre on prend du saucisson, ou n'importe quoi, on fait des pâtes, on ouvre un paquet de gâteaux, tout ça, il peut être en train de dormir, mais quand je vous dis dormir, c'est dormir profondément. Heures, ou alors il peut être de l'autre bout de la maison ou quoi, même à 100 mètres de nous, il l'entendra, tu vois, le bruit du paquet de gâteaux, tu vois, mais vraiment. Genre il va se lever, genre tu vois, genre d'un coup, genre il va être droit comme un lit, alors que toi tu sais quand tu te lèves, quand tu viens de te réveiller, t'es dans le cul pendant au moins 1 heure, tu vois. Et bah lui non, lui genre il se lève direct, il court, tu vois, genre pour aller chercher la bouffe, mais voilà. Il est malade. Mais bon, donc, après toi j'avoue que t'es gourmande aussi. Ça se voit, de toute façon, je suis très gourmande, mais elle va pas, tu lui donnes n'importe quoi, ça y est. Arrête, je pense qu'on est égaux entre Piccolo et moi, après Doro est pas forcément gourmand. Accro à YouTube. Accro à YouTube. Qui est le plus accro à YouTube? C'est toi qui as mis les questions? Ouais. Non mais non. C'est moi. C'est toi, voilà. Je pense. Je pense que... Aïe! Putain! Je pense que c'est Roro.
Après, ça veut pas dire que je suis pas accro à YouTube, c'est que toi t'es obstiné, ouais. Genre t'es un malade toi. Tu te lèves YouTube, tu te couches YouTube, tu manges YouTube, tu chies. Je dors YouTube. Tu te douches YouTube. Je dors YouTube, ouais, je dors profondément. Il y a des moments, tu sais, dans mes rêves, je fais YouTube. Qui est le plus capricieux? Toi et lui. Moi et lui. Ouais, on est d'accord. Toi et lui. Aline. Ouais, parce que genre. J'aime bien ce genre de vidéo. Parce que en même temps, avec ce genre de vidéo, vous apprenez à nous connaître en même temps, hein, c'est vrai? Ouais, et à savoir qui est le plus, tu vois. En même temps, c'est un peu le but de la vidéo. Qui est le plus casse-couille? Les deux, pareil. Moi et lui? Ouais. Toi aussi, t'es bien casse-couille quand même. Quand? Genre, hein. Genre quand je te parle de trucs sérieux. Genre, quand je lui parle de trucs sérieux, genre limite de tu sais, de trucs de facture et tout, genre le mec il rigole, tu vois. Genre, c'est un peu ça en fait. Genre, mais jamais s'empêcher de rigoler quand je lui parle de trucs sérieux. Je suis détendu. Je suis fun. Ouais, trop. Trop fun. Trop détendu. Qui est le plus fort? Bah, toi et lui. Oh, petit picot, tu penses que lui il est plus fort que toi, lui? Ah, mais bien sûr. Enfin, aïe. Disons que si je le prends, le bras. Si je le prends, je l'étripe. Par contre, lui avec ses dents, mon pote, il fait pas rien les mouettes, hein, vraiment. J'avoue, il a des petites dents bien pointues. Oh, pour vous dire, il a commencé à perdre ses dents. Ah, oui, effectivement. Pour vous dire, il en a perdu 4 là déjà. Ah, Nini. Aïe. Mais ça va, c'est ses dents de lait, ça va repousser. Il y en a déjà une qui repousse là. Un bébé. Effectivement, effectivement. Mais perds-les toutes vite. J'en avais fait 10, c'est ça? Je crois, ouais. Bon, bah celui qui gagne, enfin celui qui est le plus, t'as compris, celui qui est le plus dans les critères, c'est Piccolo en vrai. C'est vrai. C'est toi qui es le plus tout en fait. Voilà. Quasiment. T'es le plus chiant, t'es le plus goré, t'es le plus, hein. Ouais, le plus casse-couille, je crois que c'est toi en fait, hein, au final. Hein, hein, hein. Petite bête. Bref, les potes, on a bien rigolé. Ça y est, on a bien fait notre comparatif. Du coup, notre chien, il est plus. Il est plus tout. Plus tout. D'ailleurs, si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires avec les questions, genre qui est le plus. Ouais. N'hésitez pas, hein. Peut-être qu'on en fera un deuxième épisode. Exactement. Ou peut-être qu'on en fera un deuxième épisode, mais sans le chien, on verra. On verra. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire, les potes? Il y a pas mal de bugs de notification en ce moment. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question où nous sommes, pourquoi on fait plus de live Fortnite, ouais. Pourquoi si, pourquoi ça. Les potes, vous inquiétez pas, on est en vacances, on est à Cavaillère-sur-Mer. Je le redis parce que c'est vrai que le soir, par exemple, sur les lives, on a beaucoup de questions. Parce que oui, on est en live le soir. Alors, on a beaucoup de questions du genre en mode vous êtes où en vacances, des trucs comme ça. Alors que bon, tous les jours, on le dit dans les vidéos, il y a pas mal de bugs en ce moment, il y a même des gros bugs. Ça fait peur. À chaque fois que je rencontre des abonnés, je prends leur téléphone et bien sûr, les notifications sont activées, il n'y a pas de souci, genre en mode... Je prends leur téléphone. Ah mais c'est vrai. Je leur arrache le téléphone. Les notifications sont activées, tout ça, sauf que bah, les notifications sont pas reçues en fait. Ouais, en gros c'est ça. Fait un peu, ça fait un peu chier les gars, je vous le cache pas, comme ça en fin de vidéo, je vous le dis. Je préfère vous le dire comme ça en fin de vidéo. Et en fait, on était parti sur une base où quand on est parti en vacances, on s'est dit on va leur sortir 2 vidéos par jour. Et en sauf fait, que ça a pas été on possible. Se rend compte que ce n'est pas possible. Genre sur notre chaîne, je crois qu'on est maudit. Depuis qu'on est parti de là où on habite, il y a des gros bugs de notif. Et en plus de ça, dès qu'on sort de vidéo, ça ne marche absolument pas. Donc en fait, on se retrouve comme des cons à faire une vidéo, un live, alors qu'on aimerait vous proposer bien plus. Mais au final, on se rend compte que ça sert strictement à rien. Et voilà, en fait, ça sert à rien. Ouais, pareil, la dernière fois, on avait mis un post dans la communauté, il n'y a pas eu la notification. J'ai eu des remarques comme quoi sur le post, il n'y avait pas de notification post, apparemment. Il y a des gens qui nous ont dit c'est normal sur les posts, il n'y a pas de notification. Ouais. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que moi j'ai les notifications activées chez plein de youtubeurs. Dès qu'ils mettent un post, j'ai la notification. Ouais. Donc je sais pas pourquoi moi quand je vais sur mon autre compte et que j'ai posté un post sur la chaîne, et ben que le post il apparaît pas quoi. Mm-hmm. C'est un peu bizarre. Ah oui, le concours. Du coup, pour le concours entre Roro et moi. Moi je tiens à vous remercier parce que c'est moi qui gagnais. Ouais, bah, bon voilà, c'est totalement faussé. Je pense que vous l'avez vu. Il y a eu des gros bugs de notif à ce moment-là. Et en plus, on a boosté ton post. C'est même moi qui l'ai boosté son post. Enfin, sa vidéo. Parce que j'ai mis un truc dans l'onglet communauté. Du coup, en fait, ça, genre, le post il a fait genre, je crois, 5-10 000 vues, quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que, bah voilà, il a pris ses vues quoi. Alors que moi. Je me suis tapé un bug de notif quoi, mais ça va. En gros les scores c'était 21 500 je crois pour moi 24 000. Et toi 25 600 je crois. De toute façon j'avais mis les résultats sur... dans les deux vidéos en fait j'avais mis les résultats. Donc n'hésitez pas à mettre commentaire récent et vous verrez normalement les scores. Ouais. En tout cas je me suis fait baiser quoi. En gros c'est ça. Un jour on retentera mais sans bug de notif. Mais ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Les potes il fait chaud, il fait beau. Je pense qu'on va aller à la plage là après se baigner un petit peu.
qui est fait très 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 chaud et on n'a qu'une seule envie, c'est de se tremper. Hein, du coup, on va aller au cinéma aussi. Ouais, après on va aller au cinéma aussi. Bon, on vous raconte un petit peu de notre journée. J'espère en tout cas que vous passez de bonnes vacances, la famille. Je suis vraiment désolé, comme je vous ai dit, on se plaint pas mal en ce moment, mais je trouve ça totalement normal. Totalement légitime parce qu'on ferme notre gueule depuis un an. C'est totalement légitime, on dit rien jusqu'à un moment où voilà, faut savoir que pour nous YouTube c'est vachement important. Je sais qu'il y en a qui se réjouissent de ça justement, qu'on se plaigne. Mais enfin genre justement, genre les bugs de notifs, ça nous donne encore plus envie de continuer. Ça nous donne encore plus la rage, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça qui va nous arrêter, tu vois. Genre dans le sens où je vois très bien que bah, les notifs ça s'envoie pas correctement, que quand on sort notre vidéo, au bout de 1 minute, elle est à 2 vues, alors que normalement elle devrait être à 1000 vues, normalement, au bout d'une ou 2 minutes. Pour te dire, on a 4 autres comptes avec Vava. Sur aucun des comptes, on a la notification. Alors qu'il n'y a que cette chaîne d'abonnés. Enfin, on n'est qu'abonnés à cette chaîne, donc c'est-à-dire duo. C'est quand même assez dingue. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.